Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on est vendredi, il est 11h, je suis à Quimper et j'ai plus qu'à rentrer chez moi. Et je peux dire que ça fait plaisir. Bon, on va essayer d'aller chez Solido, malheureusement j'ai bien peur que ça soit fermé. J'aurais bien voulu une remorque pour mettre sur une de mes miniatures, mais je pense que ça va être compliqué pour moi malheureusement. On va tenter le coup quand même, on va aller se faire le plein. Voilà, je te mets la nouvelle intro. C'est parti! Les artistes, je vous salue! J'ai rendez-vous à 23h sur la 13 à la sortie du camp. Ça marche, Max. Je dis à ma communauté de s'abonner et on y va. Hey les artistes, les routiers sont sympas. Allez, c'est parti pour la maison. Il est 11h, j'en ai pour 4h. Allez, à 15-16h je suis à la maison. Ça c'est cool. C'est vraiment très cool. Ça fait plaisir. Un vendredi c'est vraiment cool. Allez go. J'ai beau chercher, je trouve pas d'autres mots que enculade pour justifier ça. Je sais pas. Enculade. C'est le bon terme, non? Ouais, c'est le bon terme. Ouais, j'ai cherché, j'étais pas sûr. Mais ouais, c'est le bon terme. Ouais. Bon, le gasoil c'est fait. On est pour 1000 balles, hein. Voilà, quand même. Donc là, je suis à Josselin. Tu tapes Mini Express. Voilà, c'est en face de nous. C'est l'ancien Leclerc de Josselin. Et dedans, il y a des petits trésors. Voilà, on va essayer d'aller voir si c'est ouvert. Et si c'est ouvert, je vous emmène la caméra dedans. Par contre, c'est juste que je sais plus par où on rentre. Il semble bien que c'est par le fond. Normalement. Ouais, c'est par là. C'est par là. Faut que j'arrive à me garer quelque part, moi, ça serait bien. Merde, fais chier. Les amis, on est à Josselin en Bretagne. Bon, malheureusement, je pourrais pas repartir avec une remorque aujourd'hui. Je me suis renseigné déjà. Mais je veux quand même vous faire voir le showroom. Vous allez voir, c'est pépite. C'est vraiment magnifique. C'est trop cool d'avoir des endroits comme ça, aussi jolis, quoi. C'est... Surtout en Bretagne. Tu vois, en Bretagne, il y a des jolis endroits. Non, je déconne. La Bretagne, c'est joli. Alors là, on va entrer dans le temple du jouet pour adultes. Bon, dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment des jouets pour adultes, pour le coup. Et c'est l'ancien Super U de Josselin, pour ceux qui chercheraient où c'est. Tu tapes Mini Express sur Google, tu verras où c'est comme ça. Allez, on fait un petit tour vite fait. Je vous fais voir rapidement les camions. Donc ça, c'est le Volvo que j'ai chez moi, avec le conteneur, voilà, que je voulais venir chercher, mais il n'y en a plus ici. Donc je peux pas venir le chercher aujourd'hui. Il y a des Scania, il y a des remorques bâchées, il y en a ici aussi, Scania, ici, voilà. Il y a aussi les Magnum, voilà, eux, ils sont toujours disponibles. Les petits Magnum. Comme j'ai eu les mêmes Magnum que ça. Et alors le showroom, alors quand je te dis que c'est un magasin de jouets pour grands garçons, c'est vraiment un magasin de jouets. Regarde cette pépite. La petite Alpine, très jolie aussi. Moi je suis moins porchiste, mais elle a une putain de gueule celle-là. Et là après t'as toutes les voitures, pareil tout ça c'est dispo. Tu peux commander, il n'y a aucun problème. Voilà, je suis pas là, je suis pas... Oh la Williams, oh putain, comment elle est belle. Je suis pas là pour faire vendre ou quoi. Moi, je viens juste ici en tant que passionné. Mais on a vraiment de la chance d'avoir ça chez nous, quoi. C'est incroyable, regarde. L'espace est fin. C'est n'importe quoi. Cette voiture, ils ont fait ça, mais je sais pas, il y a un mec qui s'est réveillé un jour et dit « Bah tiens, on va faire un espace F1. » Regarde toutes les caisses qu'il y a.
petit Magnum. Je suis pas sûr qu'il soit à la vente celui-là, mais voilà. Je vous fais un petit tour rapide. Hein. Les petits camions, voilà. Vieux Mercedes. Oh, mon Pascal, il virait ça, il serait content. Oh, le premier Magnum. Trop bien. Ah non, c'est pas le premier celui-là. Ça, par contre, c'est déjà vu. Je connais pas trop les Mercedes. Voilà. Clio Williams. En vrai, c'est trop bien. Je resterai ici des heures. Des heures entières. Petite 205. Ah non, c'est pas la GTI. J'ai pas trouvé la GTI. Enfin bref, c'est vraiment un endroit sympa. N'hésitez pas. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, hein, on a de la route. Nous. Ça n'est pas d'ici. Au revoir les petits Volvo. Et prochain coup, j'essaye de vous faire vous présenter un petit conteneur comme ça. Que je puisse accrocher. Que je puisse accrocher derrière. Merci. Que je puisse accrocher derrière mon Volvo que j'ai à la maison. Voilà. J'espère que ce petit tour à Solido vous aura fait plaisir. Alors Solido, il y a plein de marques. Hein. Tiens, regarde, je te mets la carte. Solido, GT Spirit, Auto. HC Model, Solido, ouais, c'est bon, j'ai tout dit. Mais si tu cherches l'endroit, c'est au bord de la 4 voies. Tu vois, juste ici, il y a la 4 voies. Et c'est à Josselin. Tu tapes Mini Express sur ton GPS et tu tomberas dessus. Voilà, c'était ma petite balade du vendredi après-midi. J'ai le temps, pour une fois, j'en profite. Les gars, ils sont super gentils ici. Et bah voilà, je pense que c'est bien. Je pense que c'est une passion. Moi, j'adore ça, tout ce qui est les miniatures. Je pense que vous allez aimer aussi. On a pas le même boulot, mais on a la même passion, on peut dire ça, ouais. Mais ouais, c'est chouette, quoi. Franchement, c'est chouette. Ah, je vous ai pas fait voir, il y a la Ferrari. Oh, il y a la Ferrari d'Esteban Ocon. Oh là là. Ils l'ont fabriquée en 10 exemplaires et Esteban, il en a une chez lui. Mais c'est trop classe, quoi. Ouais. Enfin, voilà. J'espère qu'un jour, je reviendrai les livrer. Ça serait cool. Que je puisse, parce qu'en fait quand tu es ici, pour une heure et demie, que je puisse avec eux discuter, vous présenter le showroom en détail, avec plus de voitures, plus de modèles. Eux ils connaissent bien leur truc, moi tu vois, dès que j'arrive là-dedans, je sais pas où sont les voitures, compliqué quoi. Et voilà, moi c'est ici que j'avais livré, donc c'est marrant parce que j'étais venu ici, ça s'appelle Mini Express, tu vois, c'est marqué en haut, et je savais pas du tout où j'étais, inconnu. Et c'est quand j'ai. C'est un abonné qui était là, qui était sur le quai, qui me dit oh, c'est Florian. Bah, je dis ouais, c'est Florian, ouais. Il me dit attends, tu vas venir voir le showroom. Je dis what, mais je dis à ça ici, mais c'est quoi ce délire? En fait, moi je savais pas du tout. Et le patron que j'ai rencontré est un vrai passionné de voiture. Un vrai passionné de voiture. Je suis un peu déçu parce qu'il a une 205 GTI, 1.9 Griffe, qui est pas là. Voilà, elle est pas là. C'est ça. Avant elle était à la place de la Clio Williams et j'aurais beaucoup aimé vous la faire voir. Mais tant pis, ça sera pour une prochaine. Allez, maintenant on se rentre. Allez, c'est reparti, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais bon là ça va, tranquille, on rentre à la maison, j'ai 2h15 de route. Allez, à 4h, 4h30, 5h, je suis à la maison. Donc ça va, c'est tranquille, vendredi tranquille, ça fait plaisir. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps pour aller me faire plaisir, tu vois. Là, c'est vraiment un petit plaisir d'aller voir ça. Maintenant, on va aller laver le camion et préparer pour lundi. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Allez, petite rencontre des hasards. Je me retrouve avec mon collègue derrière. Si ça, on avait voulu le faire exprès, je pense qu'on aurait eu du mal. Il avance à rien avec son Volvo. Oh là là, regarde, il est là-bas. La JC Mobile. Alors ouais, ça c'est JC, il a le même Volvo que moi en gros. Enfin gros hein, grossièrement, il a le même Volvo que moi. Sauf que JC, il fait de la bâcher. Voilà. Allez, c'est parti. h 17. Mimi. Coucou. Coucou la Mimi. Coucou. Tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour tout le monde. Allez, on va laver le camion. Avant.
après. Si le facteur est gentil, on se revoit demain. Sinon, on se revoit lundi. Mais je pense qu'on va se revoir demain. Normalement, ça devrait le faire. Allez, peut-être à demain. On croise les doigts, petite surprise. Les amis, plus. Oh bah tiens, regarde. J'ai réussi à l'ouvrir comme ça. Je crois que mon intérieur est arrivé. Ouais. Allez, on souffle ça. Déjà, on va commencer par remercier Polytruck. Déjà, première chose, voilà, une petite partie de ce qui m'a été livré. Je parle plus, il fait un super temps dehors. Regardez le grand soleil. Alors ça, c'est un soleil de Bretagne. Quand c'est comme ça en Bretagne, quand c'est comme ça ce temps-là, ils disent « Oh là là, quel soleil incroyable !» Allez, je m'en vais monter ça, je vous filme tout ça après. Bon, les petits loulous, voilà les tapis posés. J'ai pas posé le capot central encore parce que je suis en galère, j'arrive pas à le poser et je suis embêté. Donc vous allez pas voir mon intérieur cette semaine, vous allez voir les tapis déjà et il m'en manque encore des morceaux, ça va venir un peu plus tard. Voilà, j'ai avoir les rideaux à installer, j'ai de quoi m'occuper. Deuxième tapis et c'est tout ce qu'il y a d'installé pour l'instant. Je réfléchis à comment je vais faire pour installer le capot et capot moteur et après on en rediscutera dans une autre vidéo. Parce que là je sais pas là. Voilà, allez, à lundi. Les amis, bonjour, lundi matin. Il est 7h15. Là j'arrive au Havre, ça fait 2h que je roule. 2h15 même. Je suis parti à 5h. Là on va se vider le conteneur à 8h. Et après on va galérer après, ça va être compliqué la suite là. Dès le lundi matin là c'est un peu compliqué. Oui. Et ceux qui ont la référence de driver là en face avec le pont debout levé comme ça. Driver 2. Oh putain les souvenirs. Donc voilà, ouais, planning tendu. Mon client il ouvre à 8h. Donc là je vais essayer de faire, je sais pas, soit je fais un quart d'heure en avance, soit je vais faire mes 3 quarts d'heure. Mais j'ai peur qu'en faisant mes 3 quarts d'heure, j'ai pas assez d'heures pour y aller après. En fait c'est ça le problème. Je sais pas comment m'organiser, faut que je regarde. C'est compliqué. Je vais regarder ça en arrivant. Et puis voilà, hein, on va faire au mieux. De toute façon, bah mon exploit fait peur le feu là. Mon exploit il m'a dit lundi, vendredi, il m'a dit ouais t'inquiète, ouais même si ça passe pas, ça passe quand même. Bon bah ok. Là on a un beau conteneur à pack devant nous. Il est bien costaud. Fais gaffe à la bosse là. Voilà. Oui, faut toujours penser qu'on a des feux en bas du pare-choc. Hein, à ne pas oublier surtout, hein, Florian. D'accord, hein. C'est très important. Hein. Allez-vous. Je pense que ça rendra pas pareil en vidéo, mais c'est aussi pour ça que je fais ce métier là. Les putains de vues que t'as le matin. Oh là là. Ça fait toujours plaisir. Une allée de conteneurs avec un train de conteneurs. Avec un mec qui fait du conteneur. Et qui est aussi à la bourre. Oui, ça c'est une précision peut-être. Oui. C'est ça la beauté. C'est chouette comme paysage. C'est un peu métallique. Je te l'accorde. Oui, je te l'accorde. Ça, oui, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Pour le reste, ça fait quand même des trucs sympas à regarder, quoi, tu vois. Bon, ouais, c'est chaud là. Putain. C'est chaud du time. Hein. Ça va avoir du mal à faire, mon truc. Bon, ça se présente pas mal pour le TN. C'est calme. Enfin, c'est vite quoi.
pour moi c'est bon signe. Hop là Florian, lève l'avant, parce que sinon. Et feu, au revoir, terminé, bonsoir. Ça fait longtemps que ça peut pas arriver, ça c'est quand même bizarre. Allez go, parti. J'ai TCT incorrect, ATN. De quoi? Mon code PIN il est pas bon. ATN. CME341. Ah non, j'ai TGHU. Ah, je suis con, mais. 914, 801. Oh non, j'ai 64 moi. Vas-y, redis. Ah bah, 914, 801. C'est bon. Ok, merci. Ouais. Allez, gare 15, gare 15, gare 15, gare 15. Mais merde, c'est la 44 là. Oh, Florian, je fais de la merde. Putain, je me trompe de case. Ah, la boutique. Gare 15. Putain, je suis vraiment un tocard, moi. Putain, les coups de pression dès le matin comme ça, là. Allez, c'est parti. La marche arrière. Ah, j'étais trop sûr de moi là. Voilà. On est en case. Bon là, faut que j'essaye de passer 30 minutes de coupure. Putain, ça va être chaud. Oh, c'est stressant l'histoire là. On a une voiture en warning qui est stockée là. Et t'as pas un couillon qui te sent pour aller voir si tout va bien. Bah ben moi je vais aller voir. Allez, la voiture a dépanné. Enfin, le mec il est resté là-bas mais on a réussi à le pousser dans tous les cas. Et j'aime plus la circulation. J'ai appelé mon voisin qui m'a donné une petite technique pour desserrer le frein. Parce qu'il est mécano. Et nickel quoi, trop bien. Aïe aïe, comme si j'avais besoin de ça. Putain, fais chier. Ah, je viens de perdre un quart d'heure là. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai aidé quelqu'un, ça fait plaisir. Tiens là, pour la petite. Allez, petite information. Oh là, c'est gratuit, c'est comme ça, c'est Florian. Voilà, je suis gentil, oui, oui. Là, c'est marqué Cléon là. Tu vois, Cléon, regarde. La commune de Cléon. Eh ben Cléon, c'est où étaient fabriqués les moteurs Cléon des 4L. Voilà. Ici, Cléon. Donc les moteurs de 4L, moteurs Cléon étaient fabriqués à Rouen. Voilà. Petite info du jour, si tu savais pas, maintenant tu sais. 13h30, on arrive chez notre client avec une demi-heure de retard du coup. On va bien voir ce qu'ils racontent, s'ils sont contents ou pas contents. Allez, faut se maquer et on va voir ça. Voilà, je suis arrivé à quai, 13h30. Bon, ça va, ça se passe bien. Ils ont commencé à vider. Mais là, c'est un vrac, donc je vais large avoir le temps. Je crois que je vais pouvoir faire la méga grosse sieste. Oh, tranquille. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon de s'écouter ce monument de la musique. C'est un monument de la musique. Je suis désolé. Ah, mais il faut repartir. Les amis, conteneur vide repart, ça c'est trop bien. Si t'es là, si t'es jusque là dans la vidéo, on va faire un petit jeu assez simple et assez drôle. Parce que vous savez que je passe beaucoup de temps à lire les commentaires.
très compliqué pour moi de répondre à tout le monde, bien sûr, mais je prends vraiment beaucoup de temps à lire les commentaires. Il n'y en a pas beaucoup qui m'échappent des yeux, quelques-uns, mais pas beaucoup. Là, dans l'espace commentaire, je vais te demander de mettre une musique, un personnage, un vêtement, je ne sais rien, ce qui te passe par la tête, mais quelque chose qui identifie ton âge. Voilà. Genre moi, je pourrais mettre Pokémon, quoi, tu vois. Bah ouais, les années 90, c'est nous qui avons monté les Pokémon, à un moment donné, faut pas déconner, quoi. Les Pokémon, c'est à nous, quoi. Il n'y a pas de débat possible, les Pokémon, ils sont à nous, tu vois, ok. Donc, cherche pas, il n'y a pas de discussion possible, c'est à nous, les Pokémon, voilà. Mais fais-toi plaisir, j'ai trop hâte de vous lire, ça va être trop drôle, voilà. Allez, moi, je roule les 2 heures qui me restent à rouler, et puis après, dodo. En tout cas, moi, j'ai pas été déçu du tout. Je savais pas que la mère Poulard faisait des œufs avec des pelles maintenant. Ça, ça a bien changé le truc. Avant, c'était avec des fouets et tout. Maintenant, c'est avec des pelles. Ok. Oui, je sors. Je sors tout de suite. Ok, ça va.